La soirée de ce soir, on la voulait sous l'angle de la jeunesse et du dynamisme. Eh ben, je pense qu'on a absolument retrouvé ça avec une humeur festive, de la musique, des témoignages intéressants. Tout le monde a joué le jeu. J'ai trouvé qu'il y avait une présence d'étudiants forte. Et c'est ce qu'on visait en premier lieu, avec des discours des étudiants en soirée assez fort finalement, et une animation originale vraiment qui m'a plu moi. C'est marrant parce que la première soirée pile, on l'a faite ici, il y a 5 ans ou 6 ans, et on a gagné en volume d'étudiants, on a gagné en maturité d'accompagnement, mais surtout, ce qui me fait plaisir, moi, c'est plus de monde qui vient à ces soirées, à ces événements du PIL, plus généralement, et encore plus de plaisir, c'est qu'on a réussi à faire venir peut-être 10, 15 ou 20 anciens du PIL qui ont montré leurs entreprises, leurs produits. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'aller manger un burger bio avec eux le soir, quoi. Le PIL Lab, c'est un moment qu'on voulait ça. Ce sont des espaces de coworking sur le site à Artem. Et de grands espaces, hein, 60 et 120 mètres carrés, où on va pouvoir expérimenter le travail collectif. Les étudiants entrepreneurs auront un lieu où ils pourront travailler sur leurs projets. Et nous, on pourra faire de l'événement, de la formation. Je pense que ça va vraiment redynamiser notre PIL à son âge de raison, à 7 ans. C'est l'âge de raison, non ?